Donc, bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la base en carré, très pratique pour pouvoir faire de l'origami. C'est une base qui vous servira pour beaucoup de pliages et savoir faire cette base est très important. Donc, se munir d'une feuille carrée, il faut dans un premier temps rabattre les côtés les uns sur les autres. On va donc marquer ce qu'on appelle les médianes en pliant votre carré en rectangle. Il est préférable d'ouvrir et de replier la première médiane obtenue sur elle-même plutôt que de garder la feuille comme ceci et de la replier en deux. Votre pli sera plus précis et c'est préférable après quand on veut faire des beaux pliages. Donc toujours bien marquer le pli avec l'ongle, ce qui va faciliter la transformation qui va suivre après. Après, retournez donc votre feuille et pliez votre carré en triangle pour obtenir les diagonales. Voilà, donc tous les plis sont bien marqués. Prépositionnez votre feuille comme ceci. On n'est pas obligé de faire comme cela, mais c'est très pratique. C'est plus facile pour pouvoir expliquer après à des enfants si vous avez l'intention de pouvoir le présenter à des enfants. Et vous appuyez pile poil au centre. Les plis se relèvent. Il vous suffit donc de prendre le coin de droite et le coin de gauche, de les ramener et naturellement. Les deux autres coins aussi les ramener tous ensemble, les quatre coins ensemble, vous voyez, comme ceci. Et on ramène et on descend. Voilà. Et là, vous obtenez donc une base en carré.